Ok. Eh Johnny, je me perds dans toutes ces fiches, c'est vraiment le bordel. Hein. Ouais, elle va faire enculer. Bon, bah je crois que t'es viré mon gars. Allez, salut. Ok, d'accord. On va parler maintenant tout de suite d'un acteur très connu qui a été producteur, scénariste et tutti quanti. Ok, alors maintenant, nous allons parler de Bobby Boulette. Alors déjà, c'est quoi ce surnom de merde? Vous allez me le dire tout de suite. Ah bah ça, c'est parce que je fais beaucoup de boulettes. Et bah, je m'appelle Bobby, quoi. Après, ça vient pas de moi, hein. Ça vient de Gitan Fou et l'autre con, là, qui faisait des vidéos à l'époque. Putain, je vous jure, c'était de la folie. Ah mais qu'est-ce qui vous a fait aimer ce surnom? Alors la première fois, c'était sur le tournage d'Apollo 13. J'appuyais sur tous les boutons et quand le film il est sorti... Bah, ils ont vu le film et ils se sont dit « Putain, il faut faire un truc, là !» Donc les mecs se sont chauffés. Ils se sont dit « On va fumer des gouaches toute la journée, on va faire du montage. » Vous avez compris? Réveillés jusqu'à 5h du matin pour faire un montage. Et tout ça pour dire que c'est des artistes, hein. Franchement, les mecs sont trop forts, quoi. Ah, je dis des trucs drôles sans le savoir, moi. Concernant un des deux protagonistes. Ah oui, c'est l'anniversaire de Quentin de Gitan Fou aujourd'hui. Alors nous souhaitons un bon anniversaire, hein, Gitan Fou. Gitan Fou fait la fête, Gitan Fou à la plage, Gitan Fou boit des coups. Avec modération quand même, hein, faut pas déconner non plus. Un dernier mot peut-être? Bonne soirée. Bon bah c'était super sympa de m'inviter à cette interview pour parler de Gitan Fou. Par où on sort maintenant? Bah attends, je vais diriger par là-bas. Là c'est peut-être ce bouton-là, non? Oups. Boulette.